Shout after me. Father. Bless you, God bless you. Hallelujah. Amen. You may be seated in the presence of God. Nous reprenons les places dans la présence de Dieu. Amen. Beloved in the Lord, as I told you, I have a lot to say. Bien-aimé, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup à dire. And the more I speak, the more I dig, the more I find. Et plus je parle, plus je creuse, plus je trouve. And I don't feel like stopping. Et j'ai pas envie d'arrêter. The reason why, allow me to teach a little bit before we go to pray. Permettez-moi d'enseigner encore un tout petit peu avant la prière de ce soir. Because the word of God is life. Parce que la parole de Dieu est vie. You shall know the truth and the truth shall set you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. We are speaking again about spiritual claims. Ce soir, nous parlons des réclamations spirituelles. Because spiritual claims are real. Parce que les réclamations spirituelles sont réelles. And many lives are stuck. Et plusieurs vies sont coincées. Because of spiritual satanic claims. À cause des réclamations sataniques spirituelles. Many lives are stuck. Plusieurs vies sont bloquées. Many people are going like this around. Plusieurs personnes tournent en rond. In their life, instead of going like this. Dans leur vie, au lieu de foncer droit. Why? Because of spiritual claims. Pourquoi? À cause des réclamations spirituelles. In the book of Luke, chapter 22, dans Luc 22, we read from verse 28 up to 31. 28 à 31. Luke 22. Luc 22. 28. Verset 28. But you are those who have continued with me in my trials, and I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on the throne of thrones. Judging the 12 tribes. And the Lord says, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you. That means Satan is claiming you. Amen. Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Amen. Amen. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Simon, the one was called Peter. Simon, qui était appelé Pierre. One of the closest disciples of Jesus. L'un des disciples les plus proches de Jésus. The one to whom Jesus said, you are a rock, and upon this rock I will build my church. And the gates of heaven of hell shall never prevail. C'est lui à qui Jésus dit une fois, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. That's Simon. C'est Simon. Who became Peter? Qui est devenu Pierre? Now Jesus is calling him again Simon. Jésus l'appelle encore Simon. Because the devil was looking not for Peter but for Simon. Parce que le diable cherchait Simon, pas Pierre. Peter used to be Simon. Pierre était Simon avant. And Jesus changed Simon into Peter. Et Jésus avait changé son nom en Pierre. Now when the devil is coming, alors quand le diable vient, is looking for Simon. Il cherche Simon. Simon mean reed. Simon veut dire roseau. And the reed is something weak. Et le roseau est une chose faible. The reed, a list of wind is moving. Le moindre vent bouge le roseau.
And do you know that there is a power in the name that you have? Savez-vous qu'il y a une puissance dans le nom que vous avez? Because the name that you have, parce que le nom que vous portez, has an impact on your life. A un impact sur ta vie. That's why you must check your name. C'est pourquoi il faut vérifier vos noms. That's why when Abraham was looking for a child, God changed his name first of all before he gave, he blessed him. He said, "You will no longer be called Abraham, but you shall be called Abraham." C'est pourquoi quand Abraham demandait un enfant, Dieu lui dit que tu ne seras plus Abraham, mais Abraham. And Abraham meaning father of many. Abraham qui voulait dire père de plusieurs. And your wife Sarai. Et la femme Sarai. Shall no longer be called Sarai but Sarah. Ne sera plus appelée Sarai mais Sarah. Mother. Mère. Of many. D'une multitude. Your name has an impact. Ton nom a un impact. The program of your life. Le programme de ta vie. Is included in the name that you have. Est inclus dans le nom que tu portes. I close that bracket. Je ferme cette parenthèse. Now Simon means. Reed. Alors Simon veut dire roseau. You see, reed they grow most of the time next to waters. Et les roseaux croissent près des eaux. And they are not stable. Et les roseaux ne sont pas stables. They always, you don't see a reed standing like this. Vous ne voyez pas un roseau se tenir droit comme un arbre. When you see a reed is going like this. Chaque fois que vous verrez un roseau, il est en train de tourner. And sometimes like this. Parfois de se pencher. Sometimes like this. Devant ou derrière. That is a reed. C'est ça un roseau. And that is the meaning of Simon. Et c'est ça que Simon veut And dire. Jesus said, you are no longer Simon. Et Jésus dit, tu n'es plus Simon, but you are Peter. Mais tu es Pierre. And upon this rock, et sur ce rocher, I will build my church. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Now, when the devil is coming, alors quand le diable vient, he's not claiming, il ne réclame pas Peter. Pierre. Is claiming the weakness in him. Il réclame la faiblesse en lui. That's why Jesus says Simon. C'est pourquoi Jésus dit Simon. The devil is asking for you, is claiming you. Le diable te réclame. So he may destroy you. Afin de te détruire. Now, my point tonight is this. Alors, ce que je poursuis ce soir. If this guy Peter, si cet homme Pierre, an apostle. Un apôtre, very close to Jesus, très proche de Jésus, has been claimed by the devil. Pouvait être réclamé par le diable. How much more you and me? À combien plus forte raison vous et moi? The devil is claiming everyone. Le diable réclame tout le monde. He is our accuser. Il est notre accusateur. And he is accusing us before God day and night. We saw it in the book of Revelation. Il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Nous avons vu ça dans Apocalypse. He is claiming somebody who is very close to Jesus. Il réclame un proche de Jésus. This tells us that no one is exempted. Cela nous montre que personne n'est exempté from evil claims. Des réclamations démoniaques. When I see that Peter, quand je vois que Pierre was claimed, était réclamé by the devil, par le diable, this is telling us, ceci me dit, that no one, que personne, is exempted, n'est à l'abri, from claims, des réclamations, evil claims, démoniaques, sataniques. As I showed you, what is a claim? Je vous ai montré c'est quoi une réclamation. It has to take you back to square one, to take you where you're coming from. Les réclamations qui sont faites pour vous ramener à la case de départ, d'où tu viens. To prevent you from going forward in life. Pour t'empêcher de progresser dans la vie. Not only that, to destroy you. Pour te détruire. Alléluia. Whoever you are. Qui que tu sois. I don't know how holy you are. Je ne sais pas le degré de ta sainteté. But there are claims over your life. Le degré de ta piété, mais il y a des réclamations sur ta vie. Somebody will say, no, but me, I'm fine. Mais d'autres diront, non, moi, je ne suis pas concerné. You might be fine now. Ah, tu peux être bien maintenant. But you don't know, mais tu ne sais pas what the devil is planning for you this year or next year. Ce que le diable prépare contre toi cette année ou l'année prochaine. Some claims are like time bomb. Certaines réclamations sont comme des bombes à retardement. Amen. A time bomb is a bomb sitting there, not exploding, but waiting for a proper time to explode. Une bombe à retardement est une bombe qui est là,
Elle n'explose pas, mais elle attend le moment propice pour exploser. For somebody that claim is waiting to explode, to be triggered when you are 30, for somebody when you are 35, somebody is in 2 years' time, that claim will be triggered. Dans certaines personnes, les bombes attendent que tu atteignes un certain âge, 35 ans, et la bombe explose. But since we are praying against them, mais comme nous prions contre eux, we can remove, nous pouvons enlever and stop et arrêter every claim, present claim, les réclamations actuelles and the claims to come, et les réclamations à venir. And if you've been claimed, we're breaking that claim tonight. Et si vous avez été réclamé, nous brisons ces réclamations ce soir. And their side effects. Et leurs effets secondaires. Because you can break the claim, but side effects are still. Les réclamations peuvent être brisées, mais les effets secondaires sont toujours en action. We're gonna break them tonight. Nous allons les briser ce soir. Satan can claim you. Satan peut te réclamer. How can the devil claim someone so close to Jesus? Comment est-ce que le diable peut réclamer un proche, une personne si proche de Jésus? Let us look at some causes. Regardons certaines causes. There are many. I gave some in the last two days, but there are plenty of them. Ces deux derniers jours, j'ai donné quelques causes. Number one, we need to know that spiritual claims can apply on different aspects of life. Première chose à savoir, c'est que les réclamations spirituelles ou sataniques peuvent s'appliquer à plusieurs domaines de ta vie. They can apply to finances, les finances, par exemple, marriage, le mariage, promotion, la promotion, good relationships, les bonnes relations, work, le travail, trip, les voyages, and so on, et ainsi de suite. Amen. Let me explain. Je vais expliquer. You can have a claim over your finances. Tu peux avoir une réclamation sur only tes finances. That area. Seulement ce domaine-là. Amen. You can have a claim over good health. Tu peux avoir une réclamation sur la bonne santé. You can't enjoy good health. Tu ne peux pas jouir d'une bonne santé. You can have a claim. You can't have good relationship. Tu peux avoir une réclamation sur les bonnes relations. Some people can't have relationships that are lasting. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des relations qui durent. But you have only bad friends. Mais seulement des mauvais amis autour de lui. That is a claim. Il y a une réclamation. You know that in life you can have good relationships. Dans la vie, c'est possible d'avoir de bonnes relations. And this relationship can propel you into another level. Et ces relations peuvent te propulser vers de nouveaux cieux. You know that you can meet somebody who's a door for you to go into the next level in your life. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est là pour t'ouvrir des portes vers d'autres horizons. And the devil, knowing that he can claim, you can't have good relationships. Et le diable, le connaissant, peut abîmer toutes tes relations. Tu n'as pas de bonnes relations. And he will send in on your way only bad people, bad friends. Et tu seras entouré que de mauvais amis. To destroy you. Pour te détruire. And I said that. And I'll say it again. Et je l'ai dit et je le redirai. The devil want to destroy your life, si le diable veut détruire ta vie, he will send you the wrong partner. Il peut t'envoyer un mauvais partenaire de mariage ou une mauvaise partenaire. A wrong partner. Un mauvais partenaire. Don't jump blind into marriage. Ne sautez pas aveuglé dans les mariages. Be prayerful. Il faut prier. Because a bad marriage, parce qu'un mauvais mariage can destroy your life, peut détruire ta vie, your destiny, ta destinée, your future, your career, ton avenir, ta carrière. Amen. Amen. Now there are people who have claims over their life, they can't have good relationships. Maintenant, il y a des gens qui ont des réclamations sur leur vie. Ces personnes ne peuvent pas avoir de bonnes relations. Nevertheless, néanmoins, some claims can affect your entire life. Certaines réclamations peuvent affecter tous les domaines de ta vie. In the book of Exodus, let us see, some claims can just claim your priesthood. Dans Exode, nous allons voir que certaines réclamations, the priesthood. Now, let us speak about the priesthood. The priesthood is the calling. Donc certaines réclamations peuvent affecter ton sacerdoce, ton appel. That's right, sacerdoce.
You are called to do something. Tu es appelé à faire quelque chose. In the book of Exodus chapter 28, Exode 28, 1 to 4. 1 à 4. We are reading the word of God. Nous lisons la parole de Dieu. Now, take Aaron, your brother, and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister to me as a priest. Aaron and Aaron's sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar, and you shall make holy garment for Aaron, your brother, for glory and for beauty. So you shall speak to all who are gifted artisans, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garment to consecrate him, that he may minister to me as a priest. Fais un projet de toi. And these are the garments which they shall make: a breastplate, an ephod, a robe, a skillfully woven tunic, a turban, and a sash. So they shall make a holy garment that he may minister to me as a priest. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Verset 41. And you can see that this priesthood, God is calling Aaron and his sons. Et vous voyez que pour ce sacerdoce, Dieu appelle Aaron et ses fils. Verset 41. So you shall put them on Aaron, your brother, and his sons with him. You shall anoint them, Aaron and his sons. Amen. Consecrate them and sanctify them, that they may minister to me as priests. Verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. 29, Exodus chapter 29, verse 9. Chapitre 29, verset 9. And you shall gird them with sashes, Aaron and his sons, and put the hat on them. The priesthood shall be theirs for perpetual statute. So you shall consecrate Aaron and his sons. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Amen. And so on. Now we see here. Alors là, nous voyons that God is telling Moses, que Dieu parle à Moïse, that Aaron, qu'Aaron and his sons et ses fils will be consecrated, devraient être consacrés. Amen. As priest, comme prêtre, comme sacrificateur, to serve God, pour servir Dieu, serve God only, servir ne servir que Dieu. And from that family of Aaron, et de cette lignée de la famille d'Aaron, became the tribe of Levi, sont sortis les Lévites. And Levi, et les Lévites, that tribe, c'est une tribu. Levites, les Lévites, are coming from the tribe of Levi, viennent de la tribu des Lévi, descendant of Aaron, les descendants d'Aaron,
consecrated to God, consacré à Dieu, to serve only God, pour ne servir que Dieu. Now there were 12 tribes. Alors, il y avait 12 tribus in Israel. En Israël. All the other tribes, les autres tribus, they can do whatever they want to do, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. They can do business. Ils peuvent faire des affaires. And succeed. Et ils peuvent réussir dans les affaires. They can do farming. Ils peuvent faire l'agriculture. They will succeed. Ils vont réussir. But that tribe of Levi, mais cette tribu des Lévites, descendant of Aaron, les descendants d'Aaron, consecrated, consacrés. Amen. Amen. To be priests. Pour être des sacrificateurs. They can't do other business. Ils ne peuvent pas faire les affaires. Because of their calling. À cause de leur appel. Now remember that Satan, the devil, maintenant, le diable used to be an angel, était un ange. He used to be in heaven. Il fut un ange au ciel. And whatever the devil is doing, et tout ce que le diable fait is counterfeiting. C'est une contrefaçon. Of what he sees God doing, he will do as well. Une contrefaçon. Il a copié ce qu'il a vu Dieu faire, il fait aussi. But whatever God does, he is holy, and whatever the devil is doing is evil. Mais tout ce que Dieu fait est saint, et ce que le diable fait est souillé. What is my point? Qu'est-ce que je poursuis? The devil also has priests. Le diable, il a aussi des sacrificateurs. People who are consecrated. Des gens qui sont consacrés. Evil consecration. Une consécration maléfique. To do priesthood. Pour faire le sacerdoce. In the evil side, du mauvais côté. Those are people who cannot do something else. Dans le mal, ils ne peuvent rien faire. But they can serve. Mais ils peuvent servir. Spirit, esprit, spirit that are taking care over a village. Every village has some spirits. Ils peuvent servir des esprits qui s'emparent d'un village. Il y a des villages qui sont dominés par des esprits. That's why they have shrines. C'est pourquoi ils ont des hôtels, altars, des hôtels, to worship some spirit, pour adorer ces esprits là. And some families, et dans certaines familles, are called to be priests. Certaines familles sont appelées aussi à être sacrificateurs de from ce côté-là. One generation to another, d'une génération à une autre, they are called to do that. Ils sont appelés à ça. Only that. Seulement ça. Now, maintenant, someone will try to do something else. Quelqu'un dans cette famille-là voudra faire autre chose. There is a claim. Il y a une réclamation. You are a priest. Toi, tu es un sacrificateur. Just like the Levites. Comme les Lévites. They can't do something else. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Except serving at the altar. Si ce n'est de servir à l'autel. In the tabernacle. Dans le tabernacle. There are people. Il y a aussi des gens. In some families, dans certaines familles, they've been called, ils ont été appelés, to an evil priesthood, pour un sacerdoce maléfique, to serve the spirits of their tribe or their village, pour servir les esprits de leur tribu, leur village, from generation to generation, de génération en génération. That is why, c'est pourquoi, you will see, vous verrez. Some in that family, dans cette famille-là, the one who has that power, la personne qui a ce pouvoir ou cet appel, will pass it on, le passera, not from another family, from that family, pas à une autre famille, une autre personne, non, dans now, cette famille. Now, if you've been designated, hey, si tu as été désigné, to be the successor, pour être le successeur, and you say I'm going to do business, tu dis ah moi je vais faire les affaires. You'll never succeed. Tu ne réussiras pas. Because there is a claim. Parce qu'il y a une réclamation. Because of your priesthood. À cause de ton sacerdoce. Now, because we are coming from long generations. Et parce que nous venons des générations and avant we nous. Live in town, et nous vivons en ville. We have a tendency to ignore these things. Nous avons tendance à oublier ces choses. But demons, mais les démons, don't forget. Eux, ils n'oublient pas. They've been working in that tribe, in your tribe, in your family for many generations. Ils ont travaillé dans ta tribu, dans ton village, dans ta lignée pendant des générations. You may know it, you may not know it, but they are operating, and that sure can be one of the causes of your failure in life. Que tu le saches ou pas, cela peut être l'une des causes de tes échecs dans la vie, tes réclames. But thanks to God, mais grâce à Dieu, you shall know the truth, vous connaîtrez la vérité, and the truth shall set you free, et la vérité vous affranchira.
Some has been called. Certains ont été appelés to serve the devil pour servir le diable in many ways. De plusieurs manières. You might be called to be a prostitute. Tu peux être appelé pour être une prostituée. You are a slave to bring money in that family. Tu es esclave pour apporter de l'argent à la famille. You've been consecrated to that. Tu as été consacré à ça. There are families like that. Il y a des familles comme ça. They have a success, very successful girl in the family who has a so-called success, and she's making money, and the family is enjoying that money. She's been called to that. Des filles qui ont réussi dans la prostitution, qui ramènent l'argent à la famille. La famille est en train de bien vivre grâce à elle. Yeah. Oui. Some are stealing. D'autres volent. You've been sent. You are a slave. Tu es un esclave. Working for the whole village or for the whole tribe. You've been consecrated. Tu as été consacré, sacrifié. Tu travailles pour le village, pour la tribu. Now, maintenant, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Hallelujah. And there are also dedications. Et il y a aussi des consécrations. Some people has been dedicated. Certaines personnes ont été consacrées. You know, dedication is what we are doing with babies. Ce que nous faisons avec les bébés ici. When we have a newborn baby, we dedicate him to God in the house of God. Vous avez un bébé, un nouveau-né, vous le consacrez au Seigneur dans la maison du But Seigneur. But since the devil is a copycat, mais comme le diable est fort dans le plagiat, some babies has been also consecrated. Lui aussi, on lui consacre des enfants. From their birth. Depuis leur enfance. Some even before they were born. Certains avant même leur naissance. In your mother's womb, dedicated. Depuis le ventre de leur mère consacré. To the devil. Au diable. One of the examples we found in the book of Judges. Vous trouverez un exemple dans le livre des Juges. Give me Judges chapter 13 and verse 2 to 5. Juges 13, 2 à 5. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Judges, chapter 1, chapter 13. Juges 13, 2 to 5. 2 à 5. Now there was a certain man from Zorah of the family of the Danite, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, "Indeed, now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and bear a son. Now, therefore, please be careful not to drink wine or similar drink, and not to eat anything that is unclean. For behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines." Amen. Il y avait un homme de Sora, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. » Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. This is speaking to Manoah's wife. Donc on parle de la femme de Manoah. Who's the mother of Samson? La mère de Samson. Amen. Now that baby has been dedicated. Ce bébé-là a été consacré. From the mother's womb. Dès le ventre de sa mère. By God. Par Dieu. Amen. Now that is a divine dedication from the mother's womb. Consécration divine dès le ventre de sa mère. He shall be the deliverer of Israel. C'est lui qui va délivrer Israël. And chosen and dedicated, consecrated from the mother's womb. Il est choisi, consacré dès le ventre de sa mère.
Now the devil copycat. Alors le diable est un plagieur. There are people who have been dedicated. Il y a des gens qui ont été consacrés. To serve the devil. Pour servir le diable. From their mother's womb. Dès le ventre de leur mère. Now there is a difference between dedication. And priesthood. Alors, il y a une différence entre la consécration et le sacerdoce. Because consecration, parce que là, yes, priesthood, le sacerdoce, priesthood, le sacerdoce, can affect the entire family. Peut affecter toute la lignée, toute la famille. That is why you can see some people from the same family. Comme ça, vous voyez les gens d'une même famille. They are confronting the same challenges. Ils ont les mêmes défis. Amen. That curse, that claim is upon the family. Cette malédiction, cette réclamation est sur la famille. Priesthood. Ça c'est le sacerdoce. Now dedication. Maintenant la consécration. Is individual. C'est individuel. Is one person. C'est une personne seulement. Amen. Dedicated. Qui est consacré. Some from birth. D'autres depuis leur naissance. Some even before they were born. D'autres avant même leur naissance. You don't know. Vous ne connaissez pas. What word has been spoken. Les paroles qui ont été prononcées. By your father or your mother or a grandpa or grandma, par, when you were in the, your mother's womb. Par vos parents, par vos grands-parents, quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère. You were still in the womb. Tu étais encore dans le ventre. And they were saying things. Et ils déclaraient des choses. Over the baby to be born. Sur le bébé qui devrait naître. You were not there. Tu n'étais pas là. But it is affecting you. Mais ça t'affecte. And that is a claim. Et c'est une life. Réclamation sur ta vie. Imposed over your life. Imposée sur ta vie. Samson was supposed to be was consecrated from his mother. Samson était consacré dès le ventre de sa mère. But the devil was claiming him. Mais le diable le réclamait. So that he may not fulfill his mission. Pour qu'il ne puisse pas accomplir sa mission. He did a lot, but the claim was over his life. Il a beaucoup accompli, mais il y avait une réclamation sur sa Even vie. Though he was dedicated from his mother womb, quoi qu'il mother était consacré dès le ventre de sa mère. But the claim was very strong. Mais il y avait une forte réclamation sur sa And vie. You know the end. Et vous connaissez la fin. Reason why c'est la raison pour laquelle you need to be watchful. Vous devez veiller. Don't say I'm strong. Samson was strong. Ne dis pas, oh, je suis fort. Samson était fort. Stronger than you. Plus fort que toi. But the claim, mais les réclamations. He didn't stand fast. Était intense. Il n'a pas tenu. According to the calling of God. Il n'a pas tenu ferme selon l'appel de Dieu. Choose to stand fast as a child of God. Choisis de tenir ferme en tant qu'enfant de Dieu. And pray without ceasing. Et prie sans cesse. And you shall not be taken. Et vous ne serez pas. La réclamation va échouer. These demons. Ces démons. They have cages. On des cages, and the prisons, des prisons, and some people are in some cages. Et certaines personnes sont dans leurs cages, because of some claims. À cause de certaines réclamations. Don't say where is the cage. Ne dis pas oh je ne vois pas des cages. It's an invisible cage. C'est une cage invisible. Invisible prison. Une prison invisible. But real. Mais réelle. Is there? Elle est là. You can't move. Tu ne peux pas bouger. You can't get promotion. Tu ne peux pas avoir la promotion. You can't get married. Tu ne peux pas te marier. You can't have money. Tu ne peux pas avoir l'argent. You are restricted. Tu es limité. You shall know the truth and the truth shall set you free. Vous connaissez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall see your destiny. Tu verras ta destinée. Some claims are coming upon people who have a bright destiny. Certaines réclamations viennent sur des personnes qui ont une destinée, un avenir brillant. Or because of the mission that you have on earth. Ou à cause de la mission que tu as sur terre. Moses had a mission. Moïse avait une mission on earth. Sur terre. And he was claimed by the devil. Et il était réclamé par le diable. And you know Moses how he suffered. Et vous connaissez Moïse comment il a souffert. I'm not gonna read to. We're gonna read it in the other seminar. Nous allons entrer en Somebody profondeur. Came to my office not long ago telling me, can we have another seminar next week? Et quelqu'un vient me dire, papa, je peux continuer la semaine prochaine. Yes, we might. Nous pourrions. Alléluia. Moses was claimed. Moïse était réclamé. Jesus was claimed. Jésus était réclamé. Why? Pourquoi? Because they had the mission. Parce qu'ils avaient une mission. To destroy the works of the devil on earth. De détruire les œuvres du diable sur la terre.
If you have a mission, si tu as une mission, it's not only to preach. Ce n'est pas seulement pour prêcher. You can have a successful business. Tu peux avoir aussi des affaires qui réussissent. And support the work of God. Et soutenir l'œuvre de Dieu. And the devil knows that you, with your money, le diable le sachant, le connaissant, if you succeed in business, qu'avec ton argent, si tu réussis dans les affaires, you'll help people. Tu vas aider les gens. And these people, devil want to keep them in bondage. Et ces gens, le diable veut les garder dans l'esclavage. And he knows that you, when you succeed, you'll help people in bondage in your family. You'll start helping them with your money. The devil want them there, down. Et il sait que quand tu réussis, tu vas aider des gens, les sortir de la pauvreté. Mais le diable veut les maintenir dans la pauvreté. He'll claim you. Il va te réclamer. Because of that destiny. À cause de ta destinée. That's why Moses was claimed. C'est pourquoi Moïse était réclamé. But he stood fast. Mais il a tenu ferme. That's why Joseph was claimed. C'est pourquoi Joseph a été réclamé. You see what Joseph went through. Vous voyez ce que Joseph a traversé. It was a claim because of his high position. C'était une réclamation. His high mission and he was supposed to deliver the children of Israel from famine. C'est à cause de la position qu'il devait avoir et libérer les enfants d'Israël, leur épargner de la famine. And so on. Et ainsi de suite. And you might be sitting here today. Et peut-être vous êtes assise là. Asking yourself, why me? Why always me? Why am I going through this? Vous vous posez la question, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? I'm just a young woman. Je ne suis qu'une jeune femme. No, you have something. Non, vous avez quelque chose. You have a bright destiny. Vous avez un avenir brillant. And the devil is claiming. Et le diable le réclame. So that you may not reach that level. Afin que tu n'atteignes pas ta position là. But only God, Jesus Christ. Mais il n'y a que Jésus Christ. Who can deliver you? Qui peut te délivrer? And remove the claim over your life. Et enlever, ôter cette réclamation de ta vie. Reason why? Stick to Jesus. C'est pourquoi accrochez-vous à Jésus. No matter what you're going through. Quelle que soit la chose que vous traversez. Don't give up. N'abandonne pas. Pray. Prie. Serve. Serre. Give. Donne. Amen. No matter what you are going through. Malgré ce que tu traverses. Never give up. N'abandonne jamais. Because at the end of the day, parce qu'en fin de compte, that claim has to be removed. Cette réclamation doit être enlevée. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I want us to pray today. Tonight. J'aimerais qu'on puisse prier. Amen. I didn't feel like starting just to pray. Je ne voulais pas juste entrer dans la prière. I want to deliver this. Je voulais libérer ceci, cette parole. Amen. I'm still pregnant. Je suis encore enceinte. I'm still pregnant. Je suis encore plein. I want to deliver more. Et j'ai envie de libérer. You just pray for me. Priez pour moi. For God to give me strength, que Dieu me donne la force to continue, de continuer. Amen. Amen. And let me tell you that this kind of message, the devil is crazy, is mad against me. Et vous savez, quand je libère ce genre de paroles, je fais ce genre de travail, le diable se déchaîne contre moi. And because of that, also some claims. Et à cause de ça, il y a aussi des réclamations. Warrant of arrest has been sent against me. Des mandats d'arrêt qui sont envoyés contre moi. But in the name of Jesus, mais dans le nom de Jésus, it shall not happen. Cela ne va pas se passer. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus-Christ, I call upon the consuming fire. J'implore le feu dévorant. To consume every warrant of arrest against me. Pour consumer tout mandat d'arrêt contre moi. For I will continue on. Et que je continue. Because I want to see you free. Parce que je veux vous voir libre. Shining. En train de briller. For the glory of the Father. Pour la gloire du Père. Give a hand to Jesus. Acclamez pour Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Let us go into the book of Matthew chapter 26 and we're going to read verse 26 to 28. Matthieu 26, 26 à 28. Bible says, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it,
and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. And then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, this is from it all of you, for this is my blood for the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus...